Sur la reine Margot, Patrice Chéreau a demandé à baisser la teinte du feuillage de la forêt d'un demi-ton. Les feuilles étaient trop vertes. D'un demi-ton afin de coller à une saison. La seule solution, fut de repeindre les feuilles avec des pigments naturels. Repeindre la forêt. Cette bulle dans laquelle je m'enferme me permet de m'imprégner de la période, de lire beaucoup, de décortiquer des tableaux, des photographies, des films et de commencer à créer. Il faut passer de l'idée du récit à une vision en trois dimensions qui permettra de créer l'espace d'action et le volume de jeu. Je me glisse dans la peau d'un personnage, je lui établis un profil psychologique, je l'attache à son lieu, à son époque, à son histoire, à son intimité, dans un seul but, celui de donner de la valeur au décor. Le décor est l'autre acteur, celui qui marque sa présence par son silence. Imaginez par exemple que pour Vidocq, le film de Pitoff, l'action se situe en 1830, nous avons déversé 42 tonnes de terre dans le vieux Bordeaux. Pour Love in the Cold Climate de Tom Hooper à Périgueux, nous avons rhabillé toute la façade de la gare, année 1930. C'est ça aussi le cinéma. Je peux créer l'hiver en été et l'automne au printemps. Rien n'est impossible ou inimaginable. Les décors simples sont souvent de conception complexe. C'est l'art du dosage subtil, savoir épurer sans effacer. Comme un peintre, je me dois de rechercher la meilleure composition décorative qui aura pour cadre défini l'écran, celui du cinéma.